zu Kambodscha. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. I greet you all in Jesus' name. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. I greet you all in Jesus' name. Que le Seigneur puisse bénir votre présence en ce lieu. May God bless your presence here. Nous sommes encore dans la joie. We are happy pour la grâce que le Seigneur nous a encore accordée ce matin. The favor that God has done to us this morning. Chaque jour, quand le Seigneur te donne le souffle de vie. Every day when Lord gives you the breath. C'est ça le temps de la grâce que le Seigneur te donne. The time of favor, of grace that God gives you. Puisque tu ne sais pas ce qui va arriver après aujourd'hui. Yes. Because you don't know what's going to happen after today. Quand le Seigneur te donne cette grâce, when God gives you this favor, c'est pour que tu puisses t'apprêter à les rencontrer. For you to be ready to meet him. L'Écriture dit ceci. The scripture says, aujourd'hui, today, pas demain, not tomorrow, aujourd'hui, today, si vous entendez sa voix, if you hear his voice, n'endurcissez pas vos cœurs. Don't harden your heart. Aujourd'hui. Today. Le temps de la grâce pour nous. This time of favor for us. Pour moi. For me. Et pour toi. And for you. C'est le temps que le Seigneur nous donne pour avoir d'abord le souffle de vie. In the time that God gives us to have the breath. Écouter sa parole. To hear his word. Et la mettre en pratique. And practice his word. Puisque si le Seigneur retire ton âme ce soir, because if he takes your soul this evening, quel sera ton sort? What will be your outcome? Si tu n'as pas pratiqué la parole, if you did not practice the word of God, si tu ne t'es pas repenti, if you have not repented from your sins, si tu n'as pas si tu ne t'es pas réconcilié avec tes prochains. If you did not reconcile yourself with your neighbors, alors quel sera ton sort? What will be your outcome? C'est pourquoi, that's why, nous sommes appelés à nous préparer chaque jour de notre vie. We are called to be ready every day of our life. Personne ne connaît les jours de son départ. Nobody knows the day of the departure. Personne. Nobody. Comme tu ne connais pas les jours de ton départ, as you don't know the day of your departure, prépare-toi tous les jours. Just be ready every day. Amen. Amen. N'attends pas demain. Don't wait for tomorrow. Mais le Seigneur te donne aujourd'hui. But the Lord gives you today. Mais je peux lire cette écriture. Let's read the scripture. Hébreux chapitre 9. Hebrews 9. Hébreux chapitre 3 verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, les jours de la tentation dans le désert. Amen. Amen. L'Écriture dit aujourd'hui. The scripture says today. Pas demain. Not tomorrow. Aujourd'hui. Today.
Si tu entends la voix de Dieu aujourd'hui, if you heard the voice, the word of God today, que ton cœur ne soit pas endurci. Don't let your heart to be hard. Obéis à la parole du Seigneur. Just obey to the word of God. Même si le Seigneur retire ton âme, even if the Lord takes out your soul, tu es déjà heureux. Amen. You'll be blessed. Tu es déjà heureux, be blessed, puisque tu as entendu, because you've heard, et tu as pratiqué. And you practice. Voilà pourquoi nous disons, that's why we say, que ne te trompe pas, don't deceive yourself, que en écoutant seulement la parole, that by hearing the word of God, que tu seras sauvé. You will be saved. Puisque le Seigneur, because the Lord, aime ceux qui écoutent, Love those who are hearing, et qui, ceux qui mettent en pratique, and are putting in practice this word. L'Écriture dit ceci dans Romains chapitre 2. The Scripture says in Romans chapter 2. Ce n'est pas ceux qui écoutent la loi qui sont justifiés. It is not those who are hearing the law that are justified. Mais ceux qui la mettent en pratique. Amen. But those who are practicing the law. Tu écoutes. You hear. Tu mets en pratique. You practice. Alors tu es justifié. And then you'll be justified. Amen. Amen. Alors, on va ajouter quelque chose aujourd'hui. We'll add something today. Oh, le micro. On va ajouter quelque chose aujourd'hui. We'll add something today. Par rapport à ce qu'on avait dit le dimanche passé. According to what we said last Sunday. Le dimanche passé, j'avais donné l'écriture de Matthieu, je crois, Matthieu chapitre 16. Last Sunday, I gave a scripture of Matthew 16. Où le Seigneur avait posé la question à ses disciples. Where the Lord asked a question to his disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? What are people saying about me? Qu'est-ce que les gens disent de moi? What are they saying about me? Les apôtres ont répondu. Apostles answered. Les uns disent que tu es Élie. Others are saying you are Elijah. Les autres, tu es Jean-Baptiste. Others are saying you are John the Baptist. Tu es Jérémie. You are Jeremiah. L'un des, tu es l'un des prophètes. Or you are one of the prophets. Et vous, qu'est-ce que vous dites de moi? I asked them, you, what are you saying about me? J'avais pris cette écriture. I took the scripture. Pour amener dans votre vie. Just to bring it in your life. C'est-à-dire. That means. Le Seigneur. The Lord. Peut te parler aussi au travers d'autres personnes. Lord can talk to you through other persons. Même celui qui ne prie pas, even those who are praying, le Seigneur peut l'utiliser pour te parler. Lord can use them just to speak to you. Quand le Seigneur te parle, when the Lord speaks to you, c'est pour que tu puisses savoir ce que tu es. Just for you to know who you are. Quelqu'un peut parler mal de toi. Someone can say something bad of you. Ne va pas vite en besogne pour t'énerver. Just don't be angry. Mais examine-toi. Just check yourself. Et réellement ce que cet homme dit de toi, est-ce que c'est vrai ou pas? If what the person says about you is true or false. On peut dire que ça c'est une mauvaise femme. They can say this is a bad woman. Elle n'obéit pas à son mari. She doesn't obey to her husband. Les gens te critiquent de cette manière. People can gossip, can criticize you. Mais toi aussi examine-toi. So you need also to check yourself. Est-ce que la chose est vraie? Yeah, to see if what they are saying is true. Si la chose est vraie, if it's true, et repens-toi. Just repent yourself. Ne te mets pas à te fâcher. Don't be angry. Puisque c'est le Seigneur qui t'a parlé à travers ces gens. Because the Lord who speaks through those persons. Est-ce qu'on se comprend? Hey. Voilà pourquoi j'avais dit à l'église. That's why I told to the church. Toi aussi tu peux poser la question à ton prochain. You can also ask a question to your neighbor. Qu'est-ce que les gens disent de moi? What are people saying about me? Tu peux poser la question à ton prochain. You can ask this question to your Qu'est-ce que tu dis de moi? What are you saying about me? Quand tu me regardes, when you are looking at me, est-ce que réellement je suis chrétien? Is it true or really I'm a Christian? Est-ce qu'on se comprend? Mm-hmm. Qui avait fait ça? Who did that? Pose la question quand même à ton prochain, même à ton mari, même à ton épouse, même à ton frère.
Ask a question even to your spouse or to your brother. Suis-je réellement chrétien? Am I really a Christian? Par ma manière de vivre, est-ce que je t'ai béni? Through my manner of living, am I blessing you? Puisque il faut que tu sois aussi la bénédiction pour celui qui est à côté de toi. Because you must be the blessing for the persons who are around you. La bénédiction dont je parle ici, the blessing that I'm speaking about here. Je ne parle pas de l'argent. I don't speak about money. Que ta manière de vivre bénisse celui qui est à côté de toi. Let your manner of living bless the person who is around you. Que tu ne sois pas une pierre d'achoppement pour lui. Don't be an obstacle for the person who is around you. Même par tes réponses, even through your answers, que tu puisses avoir de la gentillesse. You need to have some kindness. Quand on te pose une question, when they ask you a question, que la manière que tu réponds puisse bénir celui qui t'écoute. Your manner of answering need to bless the person who hears you. Est-ce que on se comprend? Yes. Hey. Amen. Amen. Donc ne te borne pas seulement à dire. Don't stop just by saying. Écoutez, j'ai été déjà baptisé au nom du Seigneur. That I was baptized in Jesus' name. Cela ne suffit pas pour être sauvé. It is not enough to be saved. Ne crois pas que puisque tu pries longtemps, don't believe that because you are taking a long time in prayer, que cela suffit pour être sauvé. That is enough to be saved. Mais pour que tu sois sauvé, for you to be saved, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. You need to practice the word of God. Même le monde nous apprend. Even the world teaches us. Quand nous allons à l'école, when you are going to school, pour apprendre à être médecin par exemple, to learn to be a physician, c'est pour que nous soyons capables, it's for us to be able, de mettre en pratique ce que nous avons appris à l'école. To practice what we learned from school. Quand nous sommes devant un malade, when you are before someone, si nous sommes médecins, if we are a physician, nous devons être capables de pratiquer ce que nous avons appris pour sauver celui qui est malade. We must be able to practice what we learned in order to heal the person who is sick. Vous savez bien aimé, you know my beloved, beaucoup de gens se trompent. Many people are deceiving themselves, croyant que la grâce, believing that the grace, c'est le moyen de vivre dans les péchés. It's a way to sin. La grâce ne veut pas dire péché. The grace doesn't mean sin. C'est ça ce que le frère Paul dit. Jésus a dit. Brother Paul says in the book of Romans. Romains chapitre 6. Romans 6. Romains 6. Romans 6. Romains chapitre 6, verset 1er. Romans chapitre 6, verse 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions encore dans le péché? Je vais ajouter une écriture. I'll add another scripture. Je suis dans le livre de Jean chapitre 8. In the book of John chapter 8. Jean chapitre 8. John 8. Je vais faire une longue lecture. It will be a long reading. Nous commençons par le verset premier. From Jean chapitre 8. John 8, from verse 1. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui
de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus restant seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Amen. Regardez. Bon. Cette femme ici, this woman, on l'avait trouvée en train de commettre l'adultère. They caught her in the act of adultery. Moïse avait dit, Moses said, une femme pareille, such a person, il faut la tuer, prendre des pierres, tuer cette femme. You need to throw stones to her. Alors, quand on a trouvé cette femme, when they caught her, on l'a amenée devant Jésus. They brought her before Jesus. On pose la question à Jésus. They asked to Jesus. Moïse nous a dit que de telles femmes, il faut les lapider, les tuer. Moses told us that such a person, we need to stone her. Et toi, qu'est-ce que tu dis? And you, what are you saying? Regardez, cette femme, elle était déjà condamnée selon la loi de Moïse. This woman was already condemned according to the law of Moses. Est-ce qu'on se comprend? Yes. Selon Moïse, according to Moses, elle est déjà sous la condamnation. She's already condemned. Il fallait qu'elle meure. She had to die. Mais quand on l'amène devant le Seigneur, but when they brought her before Jesus, les gens qui l'accusaient, people who were accusing her, le Seigneur leur pose la question. The Lord asked them, leur dit que si parmi vous il y a quelqu'un qui n'a pas de péché, qu'il puisse jeter la pierre contre cette femme. If there's someone among of you who doesn't sin, comme chacun throw the first the stone to her. Comme chacun s'est retrouvé qu'il est il a aussi le péché. As each of them found out that you were sinning, tous sont partis. They went away. Et Jésus maintenant pose la question à la femme. And Jesus asked to the woman, est-ce que ceux qui t'accusaient t'ont condamné? Or are those who were accusing you condemned you? La femme dit non. She said no. Et Jésus dit que moi aussi je ne te condamne plus. Jesus said neither I don't condemn you. C'est-à-dire that means, la femme est sortie de la condamnation de Moïse. That means the woman came from the condemnation of Moses. Vers la grâce que le Seigneur lui a accordée. To the grace that Jesus gave her. La grâce que le Seigneur lui a accordée. The grace that she had from Jesus. C'est le fait que le Seigneur ne l'a pas condamné. It's the fact that Jesus did not condemn her. Est-ce qu'on se comprend? Yes. Donc Moïse, lui, il est venu avec la condamnation. That means Moses came to condemn. Mais Jésus en venant, and Jesus, when he came, il n'est pas venu avec la condamnation. He did not come to do the same. Mais il est venu pardonner. But he came to forgive. C'est ça la grâce. This is the grace. Mais il ajoute ceci. He adds this. Va, go, ne pêche plus. And don't sin. Est-ce qu'on se comprend? Pour dire que si tu pêches encore, again, tu vas rentrer dans la condamnation. Go back to the condemnation. Vous voyez la grâce? You see the grace? Va! Go! On t'a trouvé en train de commettre l'adultère. They found that in the act of adultery. Au lieu qu'on te tue, instead of being killed, on t'a gracié. They did you a favor. Voilà, j'aime ça. On t'a gracié. They did you a favor. Mais on t'a dit, but they tell you, ne fais plus cela. Don't repeat it again. Si tu le fais, if you do it again, tu seras sous la condamnation. You will be again in under curse. Pour dire que la grâce, that means the favor, ne te pousse pas à pécher. Doesn't need to push you to the sin. Ne te pousse pas à dire que écoutez, la grâce est là.
doesn't push you to say that the grace is here. Que je continue à pécher. That I can keep on sinning. Puisque nous étions tous sous la condamnation de la loi. Because we are all of us under the curse of law. Mais le Seigneur en venant, il nous a fait grâce. But when the Lord came, il a ôté cette condamnation. He took away that curse. Alors il nous demande de ne plus rentrer dans la vie de péché. But he asked us to not go back to the life. Puisque en rentrant dans la vie de péché, because if we go back there, nous rentrons sous la condamnation. We'll go back under the curse where we were before. Est-ce que c'est bon? Hey. C'est pourquoi nous conseillons au peuple de Dieu. That's why we advise to the people of God. De pouvoir marcher selon la vie de la parole. To walk according to the word of God. De ne pas garder la parole. To not keep the word of God. Comme étant une philosophie. As an idea. Comme étant une récitation. As a thought. Mais la parole, on doit la vivre. But the word of God, you need to live it. Alors, on va ajouter quelque chose aujourd'hui. On a déjà pris beaucoup de temps, mais on va être bref. Nous lisons 1 Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Vous êtes là? Are you there? 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Nous parlons sur les bons combats. We are talking about a good war. Timothée chapitre 6 verset 12. 1 Timothée chapitre 6 verset 12. Face à Timothée. Chapitre 6, verset 12. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. Nous lisons le Seigneur Jésus. Amen. Combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de grand nombre de témoins. Tu peux lire. Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called and about which you made a good confession. Voilà. In the presence of many witnesses. Combat le bon combat de la foi. Fight a good fight of faith. Et saisis la vie éternelle. And hold the eternal life. À laquelle tu as été appelé. To which you were called. Le Seigneur t'a appelé à la vie éternelle. The Lord called you to the eternal life. C'est ça. La parole est venue. The word came vers toi to you, pour que tu puisses avoir la vie éternelle. So that you may have the eternal life. Alors, pour avoir la vie éternelle, for you to have the everlasting life, il y a un combat. There's a fight qu'il faut mener. That you need to go. Est-ce qu'on se comprend? Yes. Il y a un combat. There's a fight. Et ce combat, c'est le combat de la foi. And that fight is the fight of faith. Pour dire que la vie chrétienne, that means the life of Christ, c'est une vie de combat. Is a life of fight. Un chrétien, c'est un combattant. A Christian is a fighter. Mais il combat pour la vie éternelle. But he fights for the everlasting life. Je vous informe ceci. I tell you this. Si vous ne combattez pas pour la vie éternelle, if you don't fight for the eternal life, vous n'en aurez pas. You won't get it. Vous avez cru, c'est bien.
Vous avez été baptisé, c'est bien. Mais il faut maintenant combattre. But you need to fight also. Pour arriver à la vie éternelle. In order to reach the eternal life. Je vais vous rappeler une chose dans la Bible. I'll remind you something in the Bible. Les enfants d'Israël. The children of Israel. Les enfants d'Abraham. Children of Abraham. Dieu leur avait promis les pays de Canaan. God promised them the land of Canaan. Même quand Dieu a appelé Abraham, even when God called Abraham, Abraham était dans son pays. Abraham was in his country. Dieu a dit Abraham, sors de ton pays. God told him to get out of his country. Et va dans les pays que je vais te montrer. To go in the country where I will show you. Quand Abraham est arrivé dans ce pays-là, when Abraham arrived there, Dieu lui a dit que je vais te donner ce pays. God told him that I will give you this country. Mais dans ce pays, but in this country, il y avait des habitants. There were some people were living. Est-ce qu'on se comprend? Hey. Pour que Abraham et sa descendance puissent avoir le pays de Canaan, for Abraham to have that country, ils doivent chasser ces gens-là. They had to cast out those people. C'est pourquoi vous allez remarquer, that's why you will see, you will quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, when the children of Israel came out of Egypt, pour aller au pays de Canaan, to go to the promised land, ils ont connu des guerres et des guerres. They had many wars. Il y a eu des ennemis sur leur chemin. There were many, many enemies on their way. C'était ces ennemis-là qui leur empêchaient d'arriver à la terre promise. Who were preventing them to arrive in the promised land. Alors nous aussi aujourd'hui, oui, today, le Seigneur nous a appelés à la vie éternelle. The Lord has called us to the everlasting life. Mais il y a aussi des ennemis, but there are enemies, capables de pouvoir nous empêcher d'arriver à la vie éternelle. Who are able to prevent us to reach the eternal life. Voilà pourquoi le frère Paul utilise le mot combat. That's why brother Paul use the word fight. C'est-à-dire que pour la vie éternelle, that means for the eternal life, il faut combattre pour arriver là-bas. You need to fight in order to reach. Mais ce que j'aime dans ça, what I like about it, quand on combat pas seul. When you fight, you don't fight alone. Mais on combat avec le Seigneur. Amen. You fight with the Lord. Est-ce que vous se comprenez? Amen. Voilà pourquoi. That's why. Pour comprendre que c'est une vie de combat. In order to understand that the life of fight. Vous allez remarquer le Seigneur dire ceci. You will notice that the Lord. Jésus dans Apocalypse. In the book of Revelation. J'aime lire ça dans la Bible Thomson. The book of Revelation. Nous lisons Apocalypse chapitre 2. Revelation chapter 2. Apocalypse chapitre 2. Revelation chapter 2. Là, c'est la lettre que Jean avait envoyée aux sept églises d'Asie. The letter that John sent to the church of Je lis Apocalypse chapitre 2, j'ai lu le verset 7. Revelation 2 chapter 7. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Je m'arrête là, suivez-moi. On dit au vainqueur. To the conquerors. Dans la Bible, lui, c'est qu'on dit qu'à celui qui vaincra. To the one who will conquer. Hein? Dans cette Bible, c'est comme ça. Yeah. À celui qui vaincra. To the one who will conquer. Oh, quand on dit qu'à celui qui vaincra. When they say to the one who will conquer. Cela veut dire qu'il a combattu. That means. Est-ce que vous avez compris? Fight. C'est-à-dire qu'il faut combattre pour devenir vainqueur. That means you need to fight in order to be a conqueror. Pour dire que la vie éternelle. That means the eternal life. Il faut combattre pour cela. You need to fight for it. Tu ne vas pas croiser les bras. You don't cross your arms. Tu dis seulement que non, j'ai déjà cru au Seigneur Jésus. And saying that I've already believed in the Lord. Non, écoutez, le Seigneur a déjà fait toi la croix. And say that the Lord has done everything
Mais tu dois combattre pour avoir la vie éternelle. But you need to fight in order to get the eternal life. Est-ce qu'on se comprend? Amen. À celui qui vaincra. To the one who will conquer. Donc il doit combattre pour devenir vainqueur. So he need first to fight. C'est-à-dire qu'il n'y a que des vainqueurs qui vont hériter les rangs de Dieu. And the conquerors will inherit the kingdom of God. Nous continuons. Toujours au premier chapitre 2. Là, je lis maintenant les versets 11. Revelation chapter 2, verse 11. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Papa, dis ça dans 8 secondes. On dit quoi? Tu as 8 secondes? Qui a 8 secondes? Dis ça. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Voilà. Donc, on parle ici de qui? Du vainqueur. We are speaking here about the person who will conquer. Le vainqueur dont on parle ici. The person who conquer, donc, that we are speaking about. Il ne s'agit pas du Seigneur Jésus. It is not the Lord Jesus. Il s'agit de toi. It's you. C'est-à-dire que si tu vas, that means if you conquer, quand tu vas vaincre, when you will conquer, tu ne vas pas mourir pour la deuxième fois. You won't die for the second time. Tu n'auras, la seconde mort n'aura pas le pouvoir sur toi. The second death won't hurt you. Puisque la première mort, because the first death, c'est la mort de cette chair. It's the death of this flesh. La seconde mort, c'est pour ceux qui ne vont pas vaincre. The second death is for those who will not conquer. Et ils vont mourir éternellement. They will die forever. Mais celui qui vaincra, but the one la seconde mort n'aura pas le pouvoir sur lui. The second death won't hurt you. Voilà pourquoi nous enseignons que pour avoir la vie éternelle, il faut combattre pour that's ça. That's why teaching that for you to get the eternal life, you need to fight for it. Nous lisons encore les versets. Vous pouvez lire les restes à la maison, mais je lis les derniers versets ici. Verset 17. Verset 21. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si celui-ci, sinon celui qui le reçoit. Donc, vous voyez qu'ici encore le vainqueur. Yeah, we are talking about of someone who conquers. Donc, pour que tu deviennes vainqueur, in order to conquer, il faut combattre. Amen. You need to fight. Alors, nous lisons encore Romains. Let's read Romans. Romains. J'ai dit Romains. Chapitre 8. Romans 8. Verset 37. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Vous voyez ça? C'est-à-dire que quand nous combattons, that means when we fight, et nous vainquons, and then we conquer, nous vainquons avec le Seigneur. Conquer with the Lord. Ici, je vous donne ces écritures, I'm giving you the scripture, pour vous confirmer que vous devez combattre pour la vie éternelle. Just to tell you that you need to fight for the eternal life. Papa Delphine, c'est ici où je vais répondre à votre question pour ajouter. Brother Delphine, I will answer to your question. Luc, Matthieu d'abord 11. Through Matthew 11. Matthieu chapitre 11. Matthieu 11. Matthieu 11. Matthieu 11. Matthieu chapitre 11, verset 12. Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Amen. Donc j'ajoute ici pour dire, I am here to say that tous ceux qui combattent pour la vie éternelle, or all those who are fighting for the eternal, ce sont des violents. C'est-à-dire que on n'entre pas dans les royaumes des cieux facilement.
That means you don't reach the kingdom of God easily. Ce n'est pas avec facilité que tu vas entrer dans le royaume de Dieu. That you non. Will in the kingdom of que God. Personne ne te trompe. Let nobody deceive you. Il faut combattre pour cela. You need to fight for it. D'ailleurs, le frère Paul le dit encore très clairement dans Acte 14. Brother Paul says about it in the book of Acts. Acte chapitre 14. Acte 14. Il le dit. Il fait. Acte 14. Acte 14. Verset 22. Verse 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Mm. Hein, vous voyez? Amen. Ce n'est pas facile. It's not easy. Mais avec le Seigneur, cela est possible. But with the Lord, that's possible. Donc, tu dois être une femme combattante. You need to be a fire woman. Un homme combattant. A fire man. Ce combat ici, this fight, le frère Paul l'appelle bon combat. Brother Paul calls it good fight. Ah, donc, il y a aussi le mauvais combat. That means there is also a bad fight. Le mauvais combat, a bad fight, c'est le combat que les gens mènent pour prendre le pays, la terre des États-Unis, non, ça devient notre terre. Because countries are doing to get other countries. Tu vas à la guerre pour chasser les Canadiens. You are going to the war to chase. Tu les chasses, tu prends cette terre-là, c'est bien. You are going to cast them out and take the land. Mais tu vas mourir. After that, you will. Quand tu meurs, tu laisses la terre. When you die, you lay it. Ça, ce n'est pas le bon combat. This is not a good fight. Le bon combat, a good fight, c'est pour la vie éternelle. Cette vie, life, tu l'as pour toujours. This life, you will get it forever. Est-ce que c'est bon? Amen. Amen. Alors, il y a des ennemis. There are enemies. Qui nous empêchent. Who are preventing us. C'est contre ces ennemis-là qu'on combat. It is against those enemies we are fighting. Hein? Mm-hmm. C'est ces ennemis-là. Those enemies. Le premier ennemi. The first enemy. Je vais entrer en profondeur le dimanche prochain. I will go deeper next time. Le premier ennemi. The first enemy. C'est le diable d'abord. It's the devil. Et le deuxième. And the second one. Ce sont les désirs de la chair. They are the desires of the flesh. Ce sont les deux grands ennemis those qui are, nous combattent. Those are great enemies who are fighting against us. Ce sont les deux grands ennemis. Those are the two great enemies. Un homme comme ça, the human being like this, il ne peut pas m'empêcher moi pour entrer dans le royaume de Dieu. He cannot prevent me to go to the kingdom of God. Jamais. Never. Mais ce sont les désirs de mon corps, but only the desires of my flesh, qui m'empêche. Who are preventing us. Et aussi l'ennemi diable. Also the enemy. Ce sont les deux grands ennemis. Those are que nous great, devons combattre those are two great enemies that we pour need to avoir fight la vie éternelle. In order to get the everlasting life. Nous lisons 1 Timothée chapitre 1. Let's read 1 Timothée chapter 1. On va s'arrêter là-bas. And we'll start by there. 1 Timothée chapitre 1. 1 Timothée chapter 1. Nous lisons à partir du verset 18. From verse 18. 1 Timothée chapitre 1 verset 18. 1 Timothée chapitre 1 verset 18. Les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties, faites précédemment à ton sujet. C'est que d'après elle que tu combattes les bons combats. Vous voyez ça? Et les bons combats ici, c'est ça les combats de la foi pour la vie éternelle. And the good fight is here, it's the fight in order to get the kingdom of God. Verset 19. Verse 19.
ce combat, quand on combat, on doit garder des choses. En gardant la foi et une bonne conscience. Vous voyez les deux choses? En gardant la foi, holding faith, et une bonne conscience. And a good conscience. Cette conscience, his conscience, quelques-uns l'ont perdu. Others have lost. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. And then they fell according to the faith. Ce que ce combat ici, that means this fight, quand nous combattons pour la vie éternelle, when we are fighting for the everlasting life, nous devons respecter les règles du combat. We need to respect the rules of the fight. Puisque même quand les militaires vont à la guerre, even when soldiers are going to fight, ce sont les généraux qui les renseignent. Yeah. Les généraux là vont leur dire, vous allez respecter ceci, cela. The general are teaching them to respect rules. Alors nous aussi, notre général qui est à parole, our general is the word of God, nous dit de garder la foi et avoir une bonne conscience. He asked us to keep the faith and have a good conscience. Pourquoi la conscience? Why the conscience? Tu ne peux pas combattre ce combat. You can't fight this fight. Quand tu as une conscience souillée. When you have an unclean conscience. Une conscience impie. Unclean conscience. Écoutez ce que Paul dit. Listen what Brother Paul says. Actes chapitre 24. Acte 24, verset 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Acte 24, verset 16. Acte 24, verset 16. Je m'efforce. I take pains. D'avoir une conscience sans reproche. To have a clear conscience. Devant qui? Devant Dieu et devant les hommes. C'est-à-dire que towards God and man. Quand tu combats pour la vie éternelle, that means when you fight for the everlasting life, que tu puisses avoir une conscience pure. You must have a clear conscience. Envers les hommes et envers Dieu. Towards the human being, also towards God. Puisque ta conscience, because your conscience, peut t'accuser. Can accuse. Si la conscience t'accuse, if your conscience accuses you, ta conscience te dit, your conscience tells you, tu as volé l'argent de tel. You've stolen the money of that person. Même si personne ne connaît. Even if nobody knows that. Mais tu vois, ta conscience connaît. Your conscience knows that. Alors là, ta conscience est souillée. That your conscience is unclean. Et ton combat pour la vie éternelle sera un combat sans effet. And your fight for the everlasting life will have no effect. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce combat-là, the fight, doit engager ta propre conscience. Must be with your conscience together. Dieu a mis dans toute personne la conscience. God has put in everybody the conscience. Et la conscience de chaque personne parle à la personne. And the conscience of everybody speaking to him. Si ta conscience ne te parle pas, your conscience doesn't speak to you, tu es devenu comme une chair. That means you look like a goat. C'est pas une injure, mais c'est une vérité. This is not an insult, but this is the truth. Qui peut me dire que sa conscience ne lui parle pas? Who can say that his conscience doesn't speak to him? Tu sais, même quand quelqu'un va tricher quelque part, even someone is going to cheat somewhere, mais la conscience doit te parler. The conscience needs to speak to you. Tu fais des choses. You are doing. Tu crois que personne ne te voit. Believing that nobody. Mais ta conscience te voit. Your conscience sees you. Ta conscience te voit. Là où tu es là. Your conscience sees you where you are. Ta conscience te voit. Your conscience sees. Personne ne m'a vu. Nobody. Oh, ne te trompe pas. Don't deceive yourself. La conscience est toute une personne. Amen. The conscience qui t'a vu. Is a total person. Est-ce que vous comprenez? Amen.
Alors, nous lisons 1 Jean pour terminer. Oh, il y a beaucoup de choses. 1 Jean pour terminer. 1 Jean. 1 Jean. 1 Jean pour terminer. 1 Jean, and what a finish. First John chapter 3. Vous êtes là? Yes. Are you there? 1 Jean, ce n'est pas le, ce n'est pas Jean, c'est 1 Jean. First John. Ce n'est pas Jean 1. Friend from John. C'est 1 Jean. C'est la page 1244. Alors nous lisons le verset 20. Verse 20. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. Hein? C'est que notre cœur peut nous condamner. N'est-ce pas? Our hearts can condemn us. Quand on dit notre cœur ici, c'est notre conscience. When they are speaking about the art here, they are speaking about conscience. J'ai dit la page 1244. 1245. For those who have English Bible, so mine is 1022. Donc, si ton cœur, if your heart, te condamne, condemns you, sache que Dieu est plus grand que ton cœur. Just know that God is greater than your heart. Là, c'est le verset 20. This is verse 20. Maintenant, le verset 21 dit, verse 21. Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Ah. Si notre cœur ne nous condamne pas. If our heart doesn't condemn us. Ici le cœur c'est la conscience. Here the heart is the conscience. Si ta conscience ne te condamne pas. If your conscience doesn't condemn you. Tu as l'assurance devant Dieu. You have confidence before God. Or l'assurance. Confidence. C'est ça la foi. It's the faith. C'est comme ça que le Paul appelle assurance. This is what Brother Paul calls confidence. Si ta conscience. If you can, si les gens peuvent t'accuser, if people can accuse you, et que ta conscience ne t'accuse pas, and then your conscience doesn't accuse you, tu as de l'assurance devant Dieu. You have confidence before God. La sois-ci que tu verras le Seigneur. Just be confident that you will see Lord. Les gens peuvent dire, people can say, tu es un sorcier. You are a witch. Tu es un volé. You are a stealer. Tu es un pédique. You are tu es ceci et cela. You are this and that. Mais ta conscience, by your conscience, est tranquille. Your conscience, ta conscience ne t'accuse pas. Your conscience doesn't condemn you. Là, tu es sûr that you are confident que tu verras l'Éternel. That you will see the Lord. Mais quand ta conscience t'accuse, your conscience accuses, tu es que tu es dans le mal. That you are having evil things. Bien aimé, repens-toi. My brother, repent yourself. Amen. 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 Bon, on peut s'arrêter là. We can stop here. Alors, nous disons ceci. We are saying this. Nous devons we must combattre pour la vie éternelle. We must fight for the everlasting life. Bien-aimé dans le Seigneur. My beloved in Jesus. Je suis en train de vous montrer la voie du salut. I'm showing you the way of salvation. Les frères Paul, Brother Paul, là je répète l'écriture qui est venue de Dieu. I'm
just reading the scripture that came from God. Dieu a mis ça dans la bouche du frère Paul. And God put it in the mouth of brother Paul. Je la répète aussi. And I repeat it like that. Le frère Paul dit ceci. Brother Paul says, je suis pur du sang de vous tous. I'm clean of the blood of everybody. Car je vous ai donné tous les conseils. Because I have given you all the advices of God. C'est-à-dire quoi? What does Paul parle en tant que prédicateur. Brother Paul speaking as a preacher. Il veut seulement dire que votre sang. He wants to say that your blood. Retombera sur vous si vous n'écoutez pas ce que je vous dis. Will be only upon you if you don't hear what I'm saying. Paul répète ce que les prophètes avaient. Brother Paul repeats what prophet were saying. Ezekiel avait dit ceci, Dieu avait dit à Ezekiel. Ezekiel said, Ezekiel, je t'établis comme sentinelle. God said, I put you like a keeper. Si je te dis, if I tell you, je te fais montrer que cet homme-là vit dans le mal. If I show you that the person have evil life, et que tu ne lui dis pas, and then you don't tell him, son sang retombera sur toi. His blood will be upon you. Mais si tu lui dis, and if you tell him, et il ne veut pas écouter, and he doesn't listen to you, son sang retombera sur lui. His blood will be upon himself. Voilà pourquoi quand on vient prêcher, that's why when we come to preach, c'est pour que le sang de celui qui écoute. It's in order, it's for the person who hears. Ou soit le sang de celui que Dieu a mis à côté de toi. That the blood of the person who is just beside you. Ne puisse pas retomber sur toi. May not be upon you. Et là, c'est un conseil que je donne à tous. This is an advice I give to everybody. Si tu as des enfants dans ta maison. If you have children in your life. Si tu as ton frère. If you have a brother. Ton mari, ta femme. Your husband, your wife. Que le Seigneur te montre. Let God show you que il vive dans le mal, that he has bad life. Ne ferme pas ta bouche. Don't close your mouth. Si tu fermes ta bouche, if you close your mouth, leur sang va tomber sur toi. Their blood will be upon you. Dis-leur la vérité. Tell them the truth. Et quand tu leur dis la vérité, then you will tell them the truth. Et ils ne veulent pas écouter, let them don't listen. Leur sang va retomber sur eux. Their blood will be upon themselves. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.